Et plop les gens, ici Zikino, toujours sur Graveyard Keeper, j'espère le finir bientôt. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je suis resté sur cette page que vous voyez rarement en, dans les vidéos, dans le live ça arrive plus souvent, juste pour qu'on prenne le temps de regarder que ça fait déjà 350 jours in-game que je joue. Après c'est pas le temps réel. Ça, j'ai pas vraiment d'idée. Je peux même pas regarder sur Steam parce que je... Après les streams, ça m'arrive souvent de laisser le jeu... je fais alt tab et vu que dès que je fais alt tab, il disparaît. Il n'y a plus la musique, je veux dire. Je peux le laisser une heure ou deux heures comme ça sans m'en rendre compte. Enfin bref. Tout ça pour vous dire que ça fait 350 jours in-game, que j'espère le finir bientôt. J'espère que vous n'entendez pas trop le ventilo derrière moi. On est le lendemain d'hier, hein, des deux vidéos précédentes. Donc dimanche 7, il fait toujours assez chaud par ici. J'ai regardé un peu comment faire les engrais. Donc on va faire ça. J'ai du coup aussi appris que j'ai appris que quand on... bref, on voit ça après. Du coup, petit récapitulatif, à peu près toutes les vidéos, du coup, vu que j'enregistre souvent deux vidéos par jour, du coup moi c'est m'échapper comme d'hab. Jerry, y a rien. Astrologue, c'est vraiment fini. Inquisiteur, je pense qu'il faut que je lui fasse sa fête là, où on brûle au moins une sorcière. Donc il va falloir qu'on fasse de la bière de niveau plus élevé, de niveau or. Serpent, et des serpents, il faut lui apporter un cœur noir. Alors j'avoue, j'ai aussi un peu regardé pour le cœur noir. Apparemment c'est l'inquisiteur qui nous donne... qui veut un moment montrer que les gens sont corrompus. Et enfin que le mal existe, et du coup il nous donne la technologie entre guillemets pour de temps en temps avoir des cœurs noirs qui apparaissent sur les corps et autres organes. Et du coup j'ai pas été trop voir. Enfin je sais plus si il nous a déjà donné la technologie ou s'il faut d'abord qu'on fasse la fête avant qu'il nous la donne. Donc je vais donner des carottes à l'âne et on va continuer comme ça. Ça nous fera un peu deux objectifs, hein, avoir de la bière de qualité très haute et avoir du coup le cœur noir. Tac. Tu vois, cette technologie est cachée, c'est peut-être là en fait que les technologies sont ici. Peut-être qu'il suffit que je débloque celle-là et en fait il est déjà content. Je ne sais pas. Ça c'est quoi? C'est... Ah oui, les trucs scientifiques. Oui, j'ai vu que celui-ci. Ouais, bref. Bref. On peut faire ça. La cube à distiller 2 qui donne un peu plus de tube à essai. Du coup, j'ai regardé. Avoir ça, ça permet encore d'avoir un peu plus de tube à essai. Ou de... Enfin, quand on décompose, on a un peu plus d'ingrédients. Ça, vous avez des... Du début. Vous avez inhalé beaucoup de fumée au cours de vos expériences. Vous avez développé une voie intérieure qui vous aide à mesurer les quantités d'ingrédients. Vous produisez un réactif supplémentaire à partir de tous les matériaux. Et on peut avoir un décomposeur et un établi pour zombies. Mais je suis pas sûr que ce soit super intéressant. Celui-là, ça peut être bien, mais j'aimerais bien débloquer ça avant si c'est vraiment les trucs cœur noir. D'ailleurs, pendant que j'ai pas ça non plus, ce serait intéressant. Si c'est... Faut voir si ça demande du bleu ou pas. Du coup on peut aller directement regarder l'alchimie, vu que j'ai vérifié les recettes juste avant de lancer le stream et la vidéo. Et que je risque d'oublier dans à peu près 2-3 minutes. J'ai appuyé sur A, c'est tout lagué, ok c'est bon. Non. Alors premier, je vous remontre aussi rapidement.
Alors je l'ai pas sous les yeux exactement, donc ça se trouve je vais me faire des erreurs, mais j'ai envie de dire tant mieux, comme ça je pourrais vous parler du reste. Alors, ce que j'ai vu en ligne, c'est que ça, ça améliore les temps de production, mais pas les qualités. C'est finalement lui qui améliore la qualité, qui peut donner des graines de meilleure qualité. Eux qui donnent de meilleure qualité. Donc, pour le stimulateur de croissance et l'exhausteur de goût, déjà, le premier se fait à partir du de l'établi, voilà, celui-ci, où il y a deux recettes. J'ai déjà oublié la poudre, je crois que c'était la poudre de ralentissement. Et par contre, ça, je suis plus sûr que c'était la solution de vie, voilà. Donc c'est un truc que j'ai jamais fait. Et ça me donne truc visqueux d'accélération. Alors quand, en fait, quand ça nous donne un truc visqueux, ça veut dire que si on remplace l'un des deux composants par celui qui nous est proposé. Donc là, par exemple, j'ai pris la poudre de ralentissement. Oh là. Si je mets de la poudre d'accélération, c'est un truc bleu foncé qui est de la couleur du truc visqueux qu'on a récupéré. Donc soit c'était lui, soit c'était faut garder la poudre de ralentissement et mettre la solution de vie. Qu'est-ce que poudre de ralentissement et solution de vie j'ai? Non, j'ai... Par contre, j'ai celui-ci. Lui, c'est bien poudre de ralentissement et solution d'accélération. Si. Donc c'était bien l'exemple de celui-ci que je viens de récupérer. Donc c'est pas ce que je veux faire là tout de suite. Il est où? Je l'ai sur moi. J'ai sur moi. Et là, du coup... Ah oui, si, c'est bon. Je me souviens. C'était des cendres qu'il faut. Cendres et solution de vie. Laguer, pas laguer. Ça nous donne un stimulateur de croissance. Ensuite, c'est ici pour avoir le deuxième, le bleu ciel. Alors là, je crois qu'il faut aussi descendre. Il faut la solution toxique, je crois, et l'extrait de vie. Et ça nous donne un exhausteur de goût. Et donc maintenant, il nous en faut un autre, mais du coup on peut faire tout ça. Alors je vais faire le deuxième directement, et avec la méthode plus facile où j'ai pas besoin de trouver les ingrédients tout seul, et où je suis sûr de ce que je fais. Voilà. Et du coup, on va se faire un lot d'engrais de chaque. Voilà. Ce qu'on peut faire aussi, c'est retourner là. Hop là. J'aurais dû passer par en dessous. Et on va améliorer la ferme zombie. Il en faut 12. Bon, on va le faire. On va les rajouter. Hein. On va les rajouter tout de suite. Ah, j'aurais pu chercher. Qu'est-ce que je peux faire à partir du chanvre ou de la corde? Parce que j'en ai beaucoup. Ne me servent pas à grand chose. Il faut que je regarde aussi pour mettre le cube à distiller 2 là. Je l'ai sélectionné, mais enfin je l'ai validé comme recherche, mais je l'ai pas. Je n'ai pas mis. Alors de mémoire, toi tu faisais des solutions de vie. Par contre, un à la fois. Oui, j'ai aussi vu que certains ingrédients, par exemple là, les asticots font un de vie.
et ceux-là je m'en souviens, mais par exemple, bon, j'ai plus en tête, mais certains autres vont faire directement deux potions, quoi, d'un coup. Là, on pose ça. Ici, on pose. Non, là, on pose ça. On se fait un peu plus. Eh oh! D'engrais de qualité argent. Et on y retourne. Ouais, toi, tu étais plus rapide et en plus, ça me donne vraiment du bleu. Du coup, infini. Voilà. Pourquoi j'ai envie de passer par en haut? Boum, bim, bim, boum. Boum, boum, bim, boum. Alors, on améliore. Vous devez cesser toute autre fabrication pour pouvoir commencer celle-ci. X. X. Zombie. Prends le zombie. Voilà. Déjà, on se remet à zéro. Pour tout. J'ai plein de graines. Toi, je te pose. J'améliore au rang 2. Et je peux normalement... Évidemment, pourquoi je ne me suis pas attendu? C'était évident. Qui me demanderait aussi 12? Bon, je passe par là, du coup. Tac, tac. Un peu de vin. Non, on peut rien faire. Est-ce que là on peut? Non, on n'en a qu'un, vraiment qu'un. Serpent s'en va, d'accord. J'ai pas mis de carottes, j'ai pas mis de carottes. J'ai des graines en trop sur moi. Alors, là il m'en faut deux. Pour faire un autre lot. Et un autre lot de d'engrais or devrait suffire. Pam 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 pum 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 pim pim pum pam pam. Voilà. D'ailleurs, pourquoi lui reste bien sage ici? D'accord, oui, c'est bien ça. Allô? Oula. La caisse n'était pas bien placée. Donc, on redescend, on en prend un. Je sais plus si c'est 12 ou 16. On va en faire un certain nombre. C'est pile poil en plus de ce que j'ai vu. Alors, non. Si on peut peut-être. Voilà. Et du coup, je sais pas par contre s'ils augmentent les graines comme ça. Tac. Voilà. Et ah, j'ai oublié de poser ça. Ça c'est des graines de... Non, les graines c'est ici. Et les carottes. Les 70, ça fait beaucoup, mais c'est pour la bonne cause, c'est pour se souvenir de notre métier, c'est bon. Là, il n'y a rien. J'ai oublié de poser les goûts. Enfin, les goûts. C'est sur le wiki qu'ils appellent ça goût. Les trucs visqueux, là. Faut les poser.
toi c'est trop... Non, c'est bien infini. Je ne sais pas ce qu'il lui prend. Non, je les ai mis ici, oui, j'avais fait la troisième étagère juste pour ça. J'ai oublié de regarder c'était quoi le plan pour le cube à distiller 2. Alors, cube à distiller 2. Il veut pas monter vite fait. On peut plus faire le 1, c'est ça? Si, ok. Donc c'est 30 pierres, 4 pièces de fer complexe et 4 pièces en acier. 34-4, ok. Et ce que je voulais faire du coup... Retirer. Pam, panam, pam, 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 pam. J'ai plus d'énergie. Une bière. Ok, j'ai déjà les 4 pièces de fer complexe. Et une partie des pierres. Pim, pim, pam, pam. Du coup, d'accord, j'ai pas assez de pièces. J'ai pas assez de ferraille. Oh! Alors, 1, 2, 3, 4. Ça, c'est du marbre, je suppose, oui. Pim, 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 pum. Donc là j'ai tout ce qu'il me faut. Juste que je pose la ferraille quelque part. Et les engrais de qualité, je pourrais peut-être les mettre là-haut. J'en ai peut-être pas assez non plus pour allô, oui. Pour la production que je veux faire. D'ailleurs. Alors non, il n'y a plus besoin de ça. Ce qu'on veut, c'est de l'engrais de qualité 2. Fabriqué. Et de l'engrais enrichi 2 pour que tu ailles plus vite. Fabriqué. Et maintenant, je veux bien les graines de houblon, oui. Celles que j'ai sur moi, c'est bien. Voilà. Donc on a dit... Engrais de qualité 2. Engrais enrichi 2 pour la vitesse. Et les graines de houblon. Et une troisième fois. Ça, tout ça c'est pour là-bas, ok, très bien. Je peux aller voir l'inquisiteur, de toute façon j'aurai pas la bière pour ce cycle là. Faut vraiment faire la fête. Et j'ai vérifié aussi, du coup, par rapport aux épisodes derniers, si j'avais léché la pomme d'or de serpent. Enfin, la pomme d'or ne me sert plus à rien, ou alors j'ai vraiment pas vu. Et si j'avais léché la pomme d'or de serpent, j'aurais pu avoir 100 essences bleues, comme ça, gratuitement, du coup. Alors c'est pas forcément
oufissime. Mais c'est déjà ça. J'ai vu que les oignons, on pouvait les décomposer pour faire je ne sais plus trop quoi. Alors, les graines, les citrouilles, c'était là. Les graines de citrouilles. J'ai fait tout l'un après l'autre. Et ça, et ça. Voilà. En espérant... Non, j'ai pas beaucoup de graines. Si, peut-être les citrouilles. Peut-être que j'ai assez de graines de citrouilles. Fais voir... Citrouille, non, il en faut 24 aussi. Ok. Je pourrais racheter des graines, tout ça, pour du coup avoir... Enfin pouvoir envoyer des caisses de légumes plutôt que des caisses de clous. Parce que d'un côté j'envoie des caisses de clous et de l'autre côté non mais je veux pas de cadavres, c'est chiant. C'est un peu pour ça que je leur envoie des clous, non? Poste de préparation 2, palette double. Ouais, je peux prendre ça juste parce que je sens que ça va être ici. Du coup j'en aurais besoin. Est-ce que c'est compliqué à produire? Poste de préparation 2. Ah, attendez, déjà je vais prendre les... Je vais faire le cube à distiller 2. Il va plus vite, il produit plus de tubes à essai. On le fait. Et on ne se pose pas trop la question. Enfin, à part la question de où est-ce que je le fais, mais... Il était bien placé la fois d'avant. Là, c'est un peu bizarre. Voilà, j'ai un cadavre à m'occuper. Juste pour vous prouver que ça en fait bien deux. Même s'il n'y a pas vraiment besoin de vous le prouver. Vous me croyez sur parole de toute façon. Alors là, c'est le curry va bien, tout ça va bien. Désolé. De la bière, oui, pour faire des opérations, c'est bien la bière. De toute façon, ils sont déjà morts, donc au pire. Il est en très bon état celui-ci. Pum pum, poli pum. Allô. Je peux pas passer par là. Ah oui, par là. Oui, enterre-le. Il veut juste pas l'enterrer. Ok. Je me demandais si c'était les petits lacs ou la pluie. Apparemment, c'est plus... enfin, ouais, c'est les lacs. C'est pas la position, je voulais dire. Mais c'est vraiment les lacs. Bref. Boum. Donc, poste de préparation 2, palette double. Alors, la palette double, je suis pas très sûr que ce soit très utile. Vu que la palette simple, je l'utilise déjà pas. 4 planches. 6 planches, excusez-moi. 6 planches de bois, 4 pièces en acier et 6 clous. 6, 4, 6. Et je n'aurai plus de pièces en acier. Alors, c'est les planches de bois. J'ai oublié de poser tout ça là.
me paraît bien. Alors, non. Alors, le poste de préparation 2, où est-ce que je peux le mettre? Je vais le mettre à droite. Pas assez d'énergie, allez. Un petit asticot. Je sais pas trop ce que ça va faire. Plus 1. Ah non, plus 1 de capacité. Oh zut. Il veut que je puisse en stocker 4. En tout cas, on va se coucher. On verra la suite demain. Pas la chaleur. Je vais peut-être sortir un peu tôt. Bon. C'est pas grave. Alors, on a nos ingrédients. On a peut-être même déjà le houblon. Non, pas encore. Et le raisin, on le récoltera en même temps. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aller. Déjà, je peux poser ça. Ça et après aller à la fête du village, aller vendre le comment ça s'appelle le tout ce que j'ai en trop en fait tout simplement. Alors ça on peut poser d'ailleurs ici il y en a qu'on peut ramener. On peut peut-être en faire d'ailleurs de la... Non. Je crois que j'ai pas assez de blé. Ouais. Faut que je ramène du blé. On pose ça et on y va. Et voilà. Deux extraits de vie. Et non pas un seul. Juste ça avant du coup, les deux là. On peut quand même. Et je vais regarder dans le même temps combien me donnent les caisses de légumes. Bim 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 boum. Boum bim boum boum. Alors, une pièce d'or, 50 pièces d'argent. Les caisses en argent donnent 10 pièces d'or. Les caisses en or donnent 16 pièces d'or. Et les caisses de marchandises, 15. Du coup, les caisses d'or donnent à peine plus que les caisses d'argent. Que les caisses de marchandises. Donc, j'aurais pas été beaucoup plus riche si j'avais été regarder le wiki plus tôt. J'ai pas regardé pour lui, faut vraiment que j'aille regarder. Il s'appelle comment? Capitaine. Enfin, faut que j'aille regarder ou que j'attende plutôt la fin avant de me faire spoiler. Pour pas me faire spoiler. Ah oui, et j'ai vu aussi que normalement le meunier. Le gars qui est au moulin, c'est le meunier. Peut nous vendre du houblon et des graines de meilleure qualité. Ça, je l'avais oublié, mais je crois que je l'avais vu. Enfin, je l'avais aperçu. Ah oui, oui, il y a effectivement 4 slots. On voit bien le houblon argent, je suppose. Les graines argent. Et la même chose en or là. On voit bien les 4. Du coup, si je continuais à lui acheter et tout ça, j'aurais pu y avoir accès. D'ailleurs, dans le. Dans le.
wiki, si je ne me trompe pas, c'était marqué que tier 1 d'amitié avec lui, on a le houblon bronze, tier 2 le argent et tier 3 le or. Et là, c'est pas exactement ce que j'ai vu. Là, j'ai vu tier 1, on a rien du tout, tier 2, on a le bronze, et tier 3, on a le argent et or. Ah, lui, ça va pas être un aussi bon cadavre. Mais bon, je pense qu'on va quand même l'enterrer. Est-ce que j'ai besoin de plus de zombies? Ça fait jamais trop de mal, mais... je n'ai pas besoin non plus. Alors, 4 blancs et 2 rouges. 2 rouges et 4 blancs, l'os ne fait aucune différence. S'il n'y a pas d'erreur médicale. Évidemment. Pour éviter les erreurs médicales, tout le monde sait qu'il faut manger un hamburger avant de faire l'opération. Ou peut-être en plein milieu, ça marche aussi. Non. Pas ça, lieu de sépulture. Ouais, ici. Ça me va. J'ai pas posé tout ça. Je peux peut-être poser le la terre aussi. Et donc oui, les os permettent de faire de la poutre blanche qui permettent de faire de la peinture blanche, je crois que ça s'appelle. Pour pouvoir faire du papier en grande quantité facilement, entre autres. Et salut, oula, Abdraman 121. Comment tu vas? Que le houblon est prêt. Oui, on peut y aller. On va récupérer notre houblon. Alors, je sais pas si ça le fait directement passer niveau or ou si on passe d'abord par l'étape argent et si toutes les graines, voilà, il n'y a qu'une partie des graines qui a monté de niveau. Non. J'ai mis quoi? J'ai mis ça. Oui. Alors, j'ai pas assez de ces graines là. Hop. Hop et non, j'ai pas fait gaffe, mais ça doit être lui. Oui. Tac. Il va me falloir déjà des engrais de qualité en plus. Non, ça je verrai après. Alors ici, on repose les graines en trop et c'est tout.
Ah, le jour de du sermon, ça c'est bien. Oui, justement, j'ai vu qu'il y avait un sermon qui permettait d'améliorer sa relation avec un marchand pour pouvoir. Non, j'ai oublié de poser les. Pour pouvoir. comment on dit ? Accéder au tiers suivant sans forcément. S'embêter à lui acheter petit à petit des ingrédients, tout ça. Ce qui serait pratique pour le meunier, pour l'évêque. Faut que je passe par le sous-sol dans tous les cas. Ouais. C'est ici qu'on n'a plus besoin d'autant de fois. Non, c'est là-haut. Non, faut d'abord poser le sermon. Enfin, la prière. Je souhaiterais prononcer calmement notre église merveilleuse, n'est-ce pas? À présent, prions pour cette bénédiction. Ok, sympa. Ah oui, bien sûr, tous vos dons sont les bienvenus. Super sermon, ouais. Et j'avais un doute aussi sur la prière qui était à moitié foi, à moitié sous. Et apparemment, ces stats, c'est vraiment combiné des deux, donc très efficace. Très bien. La foi, je vais la poser ici. Oui. Est-ce que c'est un maximum à 200 ou pas? Je ne sais pas trop. Alors là, est-ce qu'on peut... Oui, on peut fabriquer au moins de la bière argent. Ça, tu peux pas tout poser. Qu'est-ce que tu peux poser? Ça. Non. Ça peut-être. Et ça, on va mettre à côté du coup. Hein. Voilà. Les asticots, je les garde sur moi. Bidi-boom. Je pourrais faire une deuxième ferme zombie. Je vais déjà regarder ce qu'il me faut, si je peux acheter des graines. Alors, je peux acheter quoi d'intéressant? Je peux acheter... on va acheter des citrouilles. On va acheter des lentilles. On va acheter des oignons et redes oignons. Oui, les citrouilles aussi, c'est pas grave. Non, pas les vrais oignons. Ça, c'est des lentilles. Je m'en fiche des lentilles. Ce que je veux, c'est les graines. Ça, c'est aussi des graines. Alors, après.
prêt à faire de la betterave, du chou et... Ça m'intéresse moins. Termine l'œuvre. Pim 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 pum. Et on a dit qu'il fallait refaire des engrais. Étoiles surtout. On va déjà poser toutes les graines. Et est-ce que lui peut faire l'un de ceux-là ? On peut faire les citrouilles qualité pourrie. Ouais, tu vas commencer par faire une fois ça. X, et tu refais quelques carottes après. Ça, si je vois que t'en es aux carottes, c'est que t'as déjà fait les choux et que tu t'ennuies. J'aurais pu aller poser mon certificat d'inhumation trop tard, et on a dit qu'on voulait refaire quelques. Ah si, je peux faire ça. Je peux presser un peu de raisin. Quelques engrais. Bim, 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 bim. Alors c'était le bleu. On va faire ça, j'ai l'impression que j'aurais même pas assez de tourbe. Jour de Mademoiselle Chat. Quoique, on peut aller se reposer. De toute façon, le jour de l'inquisiteur, il est pas pour tout de suite. Hein. Assez d'eau. Est-ce que... Ah oui, déjà. Parfait. En vrai, pour avoir plus de fer et de pierre, mais bon, là, c'est plus que ça m'encombre. Ça m'encombre plus qu'autre chose, plus exactement. Non. Des graines de houblon qualité bronze. Toi, tu vas prendre des graines de houblon de qualité non, ça c'est vigne argent. Et toi aussi, si j'en ai.
Voilà, j'en ai. Je pose les graines de houblon. Je pose les graines de houblon, j'ai dit. De toute façon, autant les vendre, elles sont pas beaucoup plus chères, mais elles me donnent aucun avantage. Si je peux peut-être dire bonjour à Mademoiselle Charme. Poisson. Salut mon chou, que puis-je faire pour vous? Vraiment rien à lui dire. Un alcoolique. Ça, je pose. J'ai bientôt mes premières bières de qualité or. C'est un peu loin en fait d'aller jusque là-bas. Non, en plus c'est pas lui. Oula. Alors. On a dit que les nouveaux... Ah, on est bloqué là. Oh, ça va être chiant. Creuse. Merci. En terre. Voilà, comme ça. Vu qu'il va être gênant. Je me souviendrai. On peut passer, poser le houblon, tout ça. On peut faire ça d'ailleurs. J'ai oublié de prendre de l'eau. Vin rouge de qualité or. Voilà. 30% c'est 100%. De l'eau. Voilà, il y en a 500, j'en ai pris 500. Ou il y en a peut-être même plus de 500. Il y en a 500. Bref.
On va faire un peu de place. Ouais, qualité argent, c'est mieux. Tac. Non, le marchand, il n'y a pas grand chose à faire. Faut attendre le lendemain, justement, qu'il soit passé pour récupérer les sous. Voilà, plus, pas plus d'eau. Je peux quand même en prendre à la main si je veux, mais... Ah, il n'y en a pas... Ok, il n'y a pas la place. Je pensais qu'on avait entamé un stock. C'est pas grave. Ici aussi, il y a besoin d'eau, je crois. Pour le verre. Il me semble. Bon, toi, t'es long. Tac, ça c'est là-haut, ça c'est à garder, entre guillemets. Vin rouge. À vendre. Bientôt. C'est là où il faut de la peinture blanche. Comment on fait déjà des pièces de pas des pièces de fer, des engrenages là, les pièces en acier, je sais même plus. Est-ce que c'est là-dedans? Oui. Tu vas en faire quelques-unes d'avance du coup. Que je n'en ai plus. Oui, non, il n'y a plus qu'à attendre. Ba-bam. Palabam. Palabam. Ah si, je sais. On peut retourner acheter des graines. C'est bien 10 bières qu'il faut. Et par l'eau, il m'en donne 20. De toute façon, il m'en donne au moins 10. Mais les oignons d'or, j'ai pas envie de les vendre, hein. Si je peux faire des fêtes à la sorcière un peu fréquentes, ce sera plus rigolo que de vendre des caisses d'oignons dorés, alors que je peux vendre les caisses de citrouilles dorées pour le même prix. Alors commercer, graines, mes graines utiles, c'est-à-dire les graines de lentilles, qui apparemment ne sont pas la même chose que des lentilles. C'est juste la cuisson qui change. Merci, mais bon. Termine l'offre. Bam 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 bam. Bam 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 bam. Je vais repasser par là vu que ça pousse vite. J'ai fait en sorte que ça pousse le plus vite possible. Je peux pas passer là. Non. Est-ce qu'il y a un moyen de savoir à combien ils en sont? On ne dirait pas.
Ah oui, les cadavres aussi, j'avais un peu zappé ça. Surtout qu'apparemment, faut attendre la fête à papy, l'inquisiteur. Toi. Tu pourras faire des oignons et des citrouilles. Peut-être la production, le nombre qui est produit par série qui a changé. Puisque j'avais vu... j'ai oublié de poser les... Bon, tant pis. J'avais vu qu'il y a des choses qui changeaient, mais ça n'a pas l'air d'être le nombre de graines qu'on a besoin. À chaque fois qu'on met à niveau le... La... La ferme de zombies... Ça a pas l'air d'être le niveau de la... Je recommence. Ça n'a pas l'air d'être le nombre de graines qui change en fonction du niveau de la ferme de zombies. Ça a l'air d'être le nombre de d'éléments, j'ai envie de dire, produits. Ah non, de ce côté c'est facile, ok. Vous pouvez y accéder facilement. Oui, on peut aller retourner directement. Il en reste beaucoup, ouais, il en reste 50. Padapam pam pom pam pom. Padapam. J'aurais dû passer par le sous-sol. En plus, j'ai pas posé tout ça. Les graines noires, donc les oignons, qualité bronze que j'ai mis. Bim 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 bim. Pourquoi j'ai essayé d'aller en bas? Non, faut que je vienne récupérer ça. Et que j'aille faire un petit dépôt de sang. Ah si, j'aurais pu lui vendre le vin de qualité au marchand. Tant pis. Non. Bon, du coup, on n'est pas enjournée pour faire le retour. Donc ce n'est pas très grave. Je vais pouvoir déposer... J'allais dire mes restes humains. Les restes du cadavre. Pim pam. Pim pim pum pum pim pum pim pim. Non. Là, je relance pas tout de suite parce qu'il ne reste qu'un seul jour et j'aimerais bien lancer. Oula! Lancer le houblon d'or, la bière en or, plutôt. Vu qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Se reposer. Mmh, 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 mmh.
là, le houblon, il a fini de pousser, non? Parce qu'il faut que je le distille. Ah, peut-être qu'il avait déjà fini. Non, pas la vigne. Houblon, est-ce que j'ai les qualités or sur moi? Mais pas assez. Du coup, la qualité argent. Et voilà comment on a plusieurs récoltes en une seule semaine. Pareil, or, j'ai pas assez. Mais argent, c'est possible. Là, on repose les graines. On peut même poser... Le sac d'engrais. On va très vite mettre le houblon doré à fermenter. Parce que je pense qu'en plus j'aurai pas le temps. Parce que je pense. Ah, j'ai pas fait, j'ai pas posé. Je pense qu'il faut le déposer avant minuit. Je vais poser l'engrais et je vais attendre ici pour vérifier le plus vite possible. Tant pis pour le cadavre. S'il me restait un jour, évidemment, j'aurais fait d'abord le cadavre. Mais là, je n'ai pas vraiment le temps. Non, toi tu vas arrêter pour le moment. J'ai quand même le temps de mettre le cadavre sur ça. Comment ça s'appelle? Sur une palette ou quelque chose comme ça pour pas qu'il pourrisse trop vite. Je me demande si la table d'autopsie suffira. Je me demande si la table d'autopsie ralentit autant que la palette la décomposition du corps. Je ne sais pas. Alors, on en est où de notre artisanal, conception artisanale de bière, fabrication artisanale, production, production. Ah, ça va être juste. On boit un peu d'eau du coup. Si c'est minuit, je pense que c'est loupé de justesse. Si c'est avant qu'il arrive, enfin avant qu'il parte de... avant qu'il spawn au niveau de la ville, c'est peut-être possible. Ça m'embêterait quand même de repasser une semaine à pas faire grand-chose juste parce que ça, quoi. Allez. Allez, minuit c'est mort, vu qu'il est minuit et que j'y suis pas tout de suite au stand, mais si c'est au moment où il part, il doit partir à peut-être minuit 5, 1h du mat, un truc comme ça, j'ai peut-être le temps encore. Si c'est quand il arrive, j'ai largement le temps. Parce qu'il arrive très tard. Je crois que tout est prêt. Je devrais en informer l'inquisiteur. Et si ça se trouve, c'est... Oh, punaise. Ça se trouve, faut que je le fasse. Que je l'informe que tout est prêt. Et c'est la semaine d'après. Et ça, j'avoue, ça m'embêterait. Tout ça parce que je ne savais pas faire... de l'engrais.
dans l'autre sens. Attends, on va te mettre doré aussi. Argent. 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 Ça sert à rien de mettre de... 11, hein, je crois. À part se dire qu'on... On continue, non, toi on va peut-être... On va te passer au format houblon, toi. C'est où le houblon? Ça y a pas assez, par contre le houblon argent y a assez. Et on pose ceci, et c'est tout. Alors, ça augmente à une vitesse le nombre de d'engrais. Et j'ai enfin les deux moyens que j'ai trouvé de m'en débarrasser, plus ou moins, c'est pas des moyens rapides. Tac, tac, tac. Très bien. Est-ce qu'on peut faire un autre d'autres bières en or? Ça. Et on va aller prévenir l'inquisiteur qu'on peut organiser une petite fête. Ce sera marrant. Wesh, monsieur l'inquisiteur. Tout est prêt pour la prochaine incinération. Ah, je suis à droite dans mon stand. Tout le monde vient à mon stand. Tout le monde se fiche du cramage. Bière, bière bien fraîche. La bière vous lave de tous vos péchés. De beaux hamburgers bien juteux, aussi exquis qu'une extase sacrée. J'en prendrai deux. C'est l'incinération la plus géniale à laquelle j'ai assisté. C'est bon. De la viande fumée. Ha ha. Oh, tu la fous un peu partout. La ville paraît encore de, parlera encore de cette incinération dans un mois. Pas de hot dog, succès des verriers. Lorsque vous serez prêts, nous devrions remettre cela. Préparez votre tente et nous pourrons nous lancer. Vous avez gagné 33 pièces d'argent en vendant de la pierre et des hamburgers. C'est bien 33. Est-ce que je suis softlock avec lui ou quoi? Oh putain, c'est la fois, il faut la récupérer jusqu'ici. Est-ce qu'il en a pas mis jusque tout en bas? Ha! Je vous dépasse, vous allez où? Donc non, il a pas été plus loin. Vas-y, poussez-moi un peu. Est-ce que on peut se booster comme ça? Pas vraiment. Encore un cadavre. Encore du travail. Ça
ça je dois avoir, c'est les lentilles que je n'ai pas. Les oignons argent. Et les lentilles. Et au pire, c'est pas si grave. Pili-boum, y a pas d'estico si. Bon. Non. Avant de m'occuper de ça, est-ce que je peux lui reparler à l'inquisiteur? Est-ce que ça sert à quelque chose? Je ne pense pas, mais si je peux lui reparler, ça serait pas mal. Enfin, si je peux lui faire l'extorquer du nez. J'ai l'impression que j'ai softlock le jeu. Hein. Ça m'embête beaucoup vu qu'on en est à la fin. Et que le jeu te laisse plutôt libre d'explorer un peu dans le sens que tu veux. Et après, t'as des dialogues qui vont pas dans le bon sens parce que t'as pas fait dans le sens qui était prévu. Par exemple, on a d'abord eu l'aventurier qu'on a écrasé avec une pierre avant de avant d'avoir la grille et que de demander à Serpent pourquoi. Demander à Serpent le comment on fait pour passer la grille quoi, et pourtant notre personnage dit ah ça doit être le badge que Serpent nous a, dont nous, Serpent nous a parlé, et du coup il n'y a jamais vraiment eu cette discussion, un petit peu, mais voilà quoi. Celui-ci retiré. Ah bah ça fait 3 de haut, non, on va plutôt faire en bas. Lieu de sépulture. Ça a bien tout enlevé, oui. Non, par là on ne passera pas. On va commencer par le fond ici. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais reposer tout ça. Les graines aussi à poser, donc je commence par l'extérieur.
Lui va enfin finir. Donc citrouille, c'est bon. Oignon. Ah, il me manque un peu de qualité argent. Voilà. Du coup, là, j'ai les restes humains à déposer dans le coffre au sous-sol. Parce que j'avais lu que Oradric était censé venir, donc celui qui tient la taverne était censé venir à la première, en tout cas. Ah bah tiens, il a une notification. La première fois qu'on fait qu'on crame une sorcière et qu'il devait nous donner nous dire hey, mais j'aime bien la bière dorée, tiens ramène-moi-en. Du coup il est pas venu, mais j'ai quand même la notification ici. J'ai entendu parler de la dernière incinération de sorcière. C'était un sacré événement, il semblerait. Je trouve ça complètement barbare, mais on ne me demande pas mon avis. Dans le temps, on organisait des combats à mort, juste pour divertir les gens. Je n'apprécie pas spécialement les bûchers. Pour moi, c'est juste un moyen de vendre de la bière. On m'a même dit que la bière que vous servez est meilleure que la mienne. Mais je n'y crois pas. Elle est assez bonne, il me semble. Je peux vous en apporter, si vous voulez. Nouvelle tâche. Ouais, donc il y a bien ça. Lui donne une bière. Bon sang, c'est excellent. Vous êtes un bon brasseur, je dois bien l'admettre. Écoutez, montez à l'étage et prenez le parchemin qui est sur ma table. C'est mon projet secret, de la bière à base de miel. Je pense que vous pourriez y arriver. Ok. Bon, ben, en fait, il y avait bien ça. Ça, on y fend. On peut peut-être en vendre 7. De ce côté. Ah ouais, joli. C'est joli chez lui. Hein. Ouvrir. Bière spéciale. Ah, les sorcières. Tableau avec des sorcières, c'est donc Clotho, qui est dans les marais, qui est une sorcière, du coup. J'ai oublié son nom, mais la femme d'Oradric, elles sont sœurs, et apparemment elles ont, ou elles avaient, une troisième sœur. Peut-être qu'on était au courant, là je m'en souviens plus. Plus. Très bien. Mademoiselle Chêne. Ok. Recette spéciale.
recette d'une chope de bière. Vous avez débrouillé une nouvelle technologie obtenue. Recette d'une chope de bière. Évidemment, je lis toujours dans le mauvais sens. C'est un principe. L'astrologue. Pas très très intéressant. Désolé, vieux monsieur. Alors, ah, tu veux pas bosser parce que t'as pas de... de bois. De mémoire, c'était ça. Juste vérifier là le temps que le premier finisse. Et c'était bien ça. Bam 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 boum. Une bière. En même temps, s'occuper de cadavres, hein, parce qu'on a vraiment envie de manger ou boire autre chose. Faut bien se changer les idées en tout cas. C'est plutôt ça ce que je voulais dire. Boum 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 boum. Et un peu de miel. On est en train de descendre fortement la qualité du cimetière. Si on passe par l'intérieur, on récupère la prière. Il y a une prière d'ailleurs pour qu'il y ait plus de doléances dans les confessionnals. Non, la foi c'est pas ici. C'est là. La tourbe c'est ici, d'ailleurs j'ai oublié l'histoire. Et non, là on a le reste, voilà. Banam pim pum. J'en ai quelques-uns. Alors j'ai 4, 2, 3 avec des trucs à 2 ou 3. Ok. Non. Et 4 et 2, oui, c'est faisable. Grosse croix de ouf, mais
avec une toute petite clôture. Toi, 4 et 3, oui, donc toi c'est la grosse croix, mais avec une clôture plutôt bien aussi. Ah non, ça suffit même pas. Et là, c'est 4. Ah, c'est 3, c'est pas la grosse croix. Allez, un peu de miel. Est-ce que j'ai une autre grosse croix? Oui, j'ai une croix à 4 encore. Voilà. Toi. 4, 5, 6. Je crois que j'ai plus de grosse croix du coup. Tout ça c'est au 3. Ouais, non, donc c'est pas la peine. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, si je prends 3 et 3, ça devrait passer. Est-ce que j'ai encore des clôtures à 3? Oui. Ça, je me débarrasse de ce que j'ai dans la poche. Oui, j'ai une croix en pierre dans la poche. Entre autres. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ici, beaucoup trop. Alors, 6. Une petite pierre ripple. Et une belle clôture par contre. Non, là des asticots. Voilà. Pile poil. Pile poil. Très bien. Très bien. Bonjour monsieur l'évêque. Voilà, par exemple lui, j'ai jamais augmenté. Et je pourrais avoir une prière qui permette justement d'augmenter ma relation commerciale avec lui. Alors on fait ça. Et arrêter la vidéo là-dessus. Du coup, je vais faire quelques recherches, je pense, en stream, puisque pourquoi pas, sur si je suis softlock ou pas. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà été softlock comme ça? Voilà. Voir si la mission, justement, il faut faire un autre truc que j'ai pas vu, ce genre de choses. Et du coup, je pense que si je suis softlock, bah, il y aura pas d'autres vidéos. Comme vous avez sûrement pu le remarquer depuis le temps, je ne monte pas mes vidéos. Donc ça serait la fin, malheureusement. Ça m'embêterait moi aussi. Peut-être en attendant une mise à jour qui désoftlock. Sinon, à tout de suite pour le prochain épisode. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Allez, à plus.